Bonjour, chers amis, on apprend avec vous un nouveau verbe, c'est le verbe « parcourir »,« prébégat »,« préadélivat » ou euh, « préadélivat » des distances, ou « préadélivat » quelque chose de rapide. Vous avez probablement entendu parler de parcours. Voilà, allons-y avec des exemples. Je parcours une grande distance, une grande distance, je Tu parcours la salle des yeux, tu prébégas avec les yeux dans ce salle. Il parcourt des endroits inconnus. он пробегает, преодолевает какие-то неизвестные места. То есть в данном случае это даже синоним глагола путешествовать. И дальше. Ну, паркурон ле Мы путешествуем по миру. Вы Вы путешествуете по планете. Или паркур люсит. Они быстро пробегают по сайту. То есть просматривают его быстро. Давайте все вместе прочтем. Je parcours une grande distance. Tu parcours la salle des yeux. Il parcourt des endroits inconnus. Nous parcourons le monde. Vous parcourez la planète. Il parcourt le site. Maintenant, on va regarder la négation. Faites attention à ce que les articles changent. Articles c'est toujours Je ne parcours pas de grandes distances. Tu ne parcours pas la salle des yeux. Il ne parcourt pas d'endroits inconnus. Nous ne parcourons pas le monde. Vous ne parcourez pas la planète. Il ne parcourt pas le site. C'est tout.